les universitaires reviennent pour racheter leur nouveau manuel. Oh, c'est le moment de faire des profits. Je suis prête à fumer les pauvres étudiants. Mais là, s'ils dépensent pas leur argent ici, ils vont le dépenser à une à côté ou à Brasco. Hey, mais Lise, c'est normal que les étudiants mangent et boivent. Mais c'est pour ça que je fais des biscuits et que je sors du café. Je veux qu'ils comprennent qu'ils peuvent venir étudier ici. Et dépenser ici. Que c'est un endroit tranquille et calme. Lise, tu penses juste à l'argent. Quoi? Tu y penses pas assez. Mais j'ai pas ouvert une librairie pour faire de l'argent. Ça, je le sais. Je vais juste m'entourer des livres et les partager avec des gens. C'est magique. Oui. Tu l'ouvres. C'est comme ouvrir le cœur de l'auteur qui l'a écrit. Dans ses mots, tu vas trouver une partie de son âme. Lis-le jusqu'à la fin. Tu vas l'entendre pousser un soupir de satisfaction. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? C'est poète, t'aurais dû être faux commerçant. Une chance que je sais, Manise. T'es assez entreprenante pour nous deux. Une chance. Monsieur Ragnaud, pensez-vous que Cyril va revenir un jour? Ah, sûrement. Dans 5 minutes, le vrai. Il est juste parti me chercher de la farine. Ok, c'est bon. Bienvenue à la librairie Bergerac. Ah. Un bon biscuit? C'est 3 $ chaque ou bien 3 pour 5? Je suis désolé, j'ai pas l'argent avec moi, mais. Je dois prendre 5. Mais c'est tellement. On est venu ici déjà? Oh ouais, tu vas montrer la fin de ta vie! Ah, elle est où? Arrête, j'ai jamais encore parlé. Waouh, c'est du sérieux? Elle est où? Elle est pas là, je pense. En tout cas, je l'avais pas manqué, elle est tellement belle. T'es sûr qu'elle va venir? Oui, elle va à l'université à côté. En faisant mes livraisons l'autre soir à la résidence, j'ai vu la marchande direction de la porte. Ah non, c'est chaud. Ouais. Mais elle est pas encore là, parce qu'elle est tellement belle, tu vois. Hey! Oh,
Est-ce que je pourrais te demander le nom du jeune homme avec qui tu parlais il y a quelques minutes? C'est Christian, je pense. C'est la première fois que je le voyais ici. Il entre à l'université? Oh, je pense pas. Merci de l'information. Pas de problème. Désolée de pas pouvoir t'en dire plus, mais c'est la première fois qu'il entre à la librairie. C'est parfait, merci. Est-ce qu'on prenait un biscuit? Ils sont vraiment bons. Non. On va certainement pas encourager un établissement qui prend même pas soin de ses clients. Dommage, j'avais faim. Non. Juste un? Non. Non? Non. Il s'appelle Christian. Il est pas étudiant. T'as vu dans ses yeux comme il a l'air intelligent. Il s'inscrira sûrement pour l'an prochain. Si tu dis, j'en suis convaincue. Il a un regard vif, profond. C'est clair de l'esprit. T'as pas remarqué? Moi, j'ai remarqué d'être beau. C'est vrai. Mais le reste, crois-moi, Sandrine, j'ai un bon instinct. Je te crois. Puis, c'est vrai qu'il est beau. Fais pas comme si t'avais pas remarqué. Seul, quelques minutes. Il y a rien que tu pourrais me dire que tu peux pas dire ensemble, il y a Dans ce cas-là, je veux pas. Alors, Roxane, on est fait pour aller ensemble. Non. Hey, salut, t'as l'air de champagne, Nathan? T'es-tu passé t'inscrire à l'université en chemin, là? Ah, oh, le vrai. Tu sais très bien que j'ai pas les moyens de payer ça. Je peux-tu payer de ma poche? J'ai pas des parents pour m'aider. Enfin! C'est ça, t'en as pris du temps! Désolé, il y avait pas mal de monde à l'inscrire. Tiens, c'est le gars avec le. Le pendant? Moi, si j'avais un nez comme ça, je sortirais jamais chez moi. Je ferais ça au pays. Mais, hein? Je comprends pas pourquoi il se prenait encore la tête haute. Je sais pas qu'il a l'air de mauvaise foi. Il doit être trop pauvre pour s'acheter un miroir. Ah oui. Cyril Berger. Notre fameux Cyrano. Cyrano? Oui, Cyrano de Bergerac. Qui c'est? Ben voyons, on va voir! Tu sais pas c'est qui Cyrano de Bergerac? Non. Ça manque à ta culture, mon cher. C'est l'histoire du gars avec le nain, là. C'est pas juste une histoire, là. Cet homme a tellement existé, il a même écrit des livres scientifiques. Un vrai intellectuel. Ben oui. Pas comme Cyril Berger qui va même pas à l'université. Justement. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Rien. Mais ma mère? Moi? Oui, toi. Mais il va rien faire à moi. T'es vraiment un dégonflé. Non, je suis pas un dégonflé, je... De Guiche, tu as raison. Sa mère aurait dû l'appeler Cyrano. Ah ouais? Pourquoi donc? Pourquoi? Parce que tu as un grand nez. Oh.
un grand nez. Cassé! C'est tout? Mais non, voyons, Valvar, tu vas pas t'arrêter là. Je suis là devant toi, les mains dans les poches. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que j'ai un grand nez. Un enfant de 3 ans aurait fait mieux. T'exagères, toi-même t'aurais pas fait mieux. C'est un défi. Si tu veux. Je l'accepte. Rosalie, choisis un nom. N'importe lequel? N'importe lequel. En bonne fin, quand même. 17. Parfait. Ben, Valvar va te monter devant tous ces gens ici présents. 17 façons que t'aurais pu m'insulter sur mon nez. Quoi? Hein? Tu vas trouver 17 insultes. Ouais. Oh, pis toutes meilleures que la tienne. Ok, là, je prends les paris. Mais yeah! Paris, l'argent insulte. Non, pas dans mon établissement. Les jeunes fréquentent la librairie, les frères, ils s'amusent. T'as raison. Je mets 20 cents sur Cyril! 25 cents sur Valvert. 25 cents? Tu vaux pas plus que ça, cher. Moi, je mets 500$ sur Valvert. Ah! Tout de même! Mais tu vas me les remettre. Pas. Quoi? Tu vas me les remettre. Rosalie, pourrais-tu tenir le décompte? Je voudrais pas lui en donner une de plus. Avec plaisir. Hey, avec ce que j'ai ici de Cyril, tu vas être bon pour payer ta première session d'université, ta barmouche? T'es-tu en train de me dire que tout le monde a parié contre moi ici? Sauf Madame Lise, bien sûr. Cyril, cette insulte, ça tombe comme pas de main. Bon, ça commence là, ça tombe pas de main. Tu réfléchis, là. On se calme. Bon, commençons. Évident. Hey, le grand, la chirurgie plastique, ça existe? Curieux. C'est pratique, ça. Ça te protège-tu de la pluie? Sarcastique. Hey, tu dois jamais arriver en retard, hein, toi? Je veux dire, c'est parce que quand on voit le bout du nerf, on sait que le reste va suivre en pas long. Baveux. Excuse-moi. Pourquoi tu t'as aussi que tu fais long? Geek! Hey, une question pour toi, Cyril. Tu. Tu pognes-tu pas Internet avec cette affaire-là? Environnementaliste. Si vous posiez des panneaux solaires sur toute la longueur, vous pourriez alimenter la ville en électricité. Sportif. Monsieur, l'escrime, c'est seulement à 7 heures! 7! Protecteur. Attends! Bouge pas! Il y a une grosse affaire qui s'est posée dans ta face. 8! Littéraire. Rodrigue! As-tu vu cœur? Non, mais j'ai dit non en masse, par exemple. 9! Économe. Hey, pauvre portefeuille, Seigneur, ça va tellement te coûter cher comme ça. 10! Scientifique. Le département des faits inusités voudrait savoir s'il pourrait l'étudier. 11! Météorologue. Attention, attention! Son dernier éternuement affiche un 6 sur l'échelle de Richter! 12! Nous avons. Ah! Inquisiteur. Lorsque vous vous penchez pour sentir les fleurs, ont-elles peur? Nice! Prévenant. Vous devriez vraiment vous renforcer le dos, c'est tout un poids que vous portez là. 14. Ça se complique. Encore. Non, pas encore. Comptable. Monsieur, je vois ici qu'il a été décidé que vous pourriez les déduire de vos impôts cette année comme dépendant. 15! Plus deux. Ah, sensible. Je sais que tu me dis que t'es de bonne humeur, mais ton nez a l'air tellement triste. Ça explique qu'une! Plus qu'une. Un instant, s'il vous plaît. Es-tu arrivé au bout de ton imagination, Cyrano? Si seulement. Je voulais juste avertir les dames sensibles que la prochaine va être un petit peu osée. Kirk Gank.
Monsieur, les dames au fond veulent savoir si vous pourriez ranger votre... votre engin. Si, sir! Thank you.
ça me fait rire, là. Veux-tu avoir un café, un biscuit? Non, merci. Je veux pas traîner trop longtemps. Bon. C'est gênant. Mais on se connaît depuis la troisième année. Alors. Tu sais, tu peux me dire n'importe quoi. Oui, je sais. T'es un être exceptionnel. Oh, j'ai un bouche que là. Oui, vraiment. Oh, ok, exceptionnel. Oui. Mais t'as un cœur d'or. Mais tu ferais jamais rien qui me mettrait mal à l'aise. Jamais. Parce que j'ai quelque chose de très personnel à partager avec toi. Quelque chose qui lie mon cœur. Oh. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un m'a laissé une impression, disons, plus marquante. Oh, aujourd'hui. Oui, mon cœur a été renversé. Ah. C'est un être merveilleux. Ah, oh, t'exagères. Non, j'exagère. Bon, ok. Merveilleux. Et galant, et élégant, et tellement beau. Beau? Comme un ange. Ça doit être ton amour qui couvre tes yeux. Non, tout le monde le trouve beau. Ah. Non, pas encore. Hein? Mais... Puis, pourquoi tu m'en parles à moi? Parce que tu pourrais m'aider à rencontrer. Moi? Oui, toi! Quoi, moi? Mais parce que t'es mon héros. Hein? Mais oui! Aujourd'hui, t'as fait deux actes héroïques sans même pas encore. T'as chassé des biches, je vais m'embêter. Tu m'as fait gagner 20$! Ah, oh, mais je suis pas fin. Quand même! C'est grâce à toi si j'ai passé une belle journée, puis tu pourrais m'aider à passer une belle vie. T'exagères. Aide-moi. Cyril. Ok! Merci! Ok, je vais t'aider. Tac! C'est mon numéro. Tu veux qu'il te texte? Oui! C'est ça. Pas trop de pression, juste un salut, puis on développera à partir de là. Ok. Est-ce qu'il y a un nom? Ah, oh, oui. Il s'appelle Christian. C'est un beau nom, n'est-ce pas? Ah, Christian. Christian qui? Je sais pas, mais je suis sûre que c'est intéressant. Ok, puis c'est où est-ce que je pourrais le trouver? Je sais pas, mais je suis certaine que tu vas le trouver. Ok, Christian, quelque chose qui travaille quelque part, qui a l'air bien intéressant. Je te trouve tout de suite. Mais pas aussi intéressant que ta tirade d'aujourd'hui. Ah, ça, alors c'était tout qu'un tour de force. Alors, je dois y aller. Je peux pas croire que t'aies inventé ça comme ça, spontanément. T'es tout qu'un improvisateur. Comment? Ouais, je le connais pas tant que ça, finalement. Tout ce que je sais, c'est qu'il
ça, moi. Hein? Pour déjeuner? Mais non, pour le rencontrer, ce Christian-là. Ah, ok. Pas vrai? Le bloc, c'est celui avec les cheveux plus bas. C'est vrai qu'il est beau. Quoi, il est venu ici? On va acheter un livre pour la fête avant de parole. Dépêche-toi, j'aime pas ça, les bibliothèques. C'est une librairie, là. Ah, une chose, hein? On se sent pas pour deux lettres, le P, le. Laisse faire tout ce point. Tabarouette, qui avez-vous vu le nom? C'est quoi ça? J'ai perdu 10 dollars à cause de lui, là. Ouais, il me fait pas peur, lui. Est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Ouais, je dois acheter un livre pour la fête à ma mère. Littérature comme un amour dans la police et science-fiction fantastique? Je sens pas trop, là. Ah, suivez-moi, je vais vous montrer les nouveautés. C'est toi, ça? Christian? Ouais. En plein dans le nez! Oh. Très, très long. Eh bien, c'est que faut que je te parle. Comment ça? Tu veux me faire un tour de nez? Voyons! Ah, t'es comme avec le jeune! Y a quelqu'un qui m'a demandé de te faire un message, là. Hein? Qui ça? Ah! Marine Express! Oh! Hey, tu vas être mes airs solides, là. Ah, tu penses que je vais être ton nez? Ah, ouais, tu? Tu fais quoi? Hey, si tu continues de même, je te ferai pas le message que Roxanne m'a demandé de faire. Hein? Tu connais Roxanne? Ouais. Puis elle t'a demandé de me faire un message. C'est ça. Tu risques pas si t'as pas fait avant? Ah, laisse-moi réfléchir. Ça doit être parce que tu m'interrompais pour faire des jokes sur mon nez. Excuse-moi, je dis. Je voulais pas m'insulter. Ça va m'en prendre pas mal plus que ça. Et puis, accouche, c'est quoi le message? Roxanne m'a donné son numéro de téléphone, pis ben, veux-tu le texte? Non! Comment non? Elle est pas de ton goût? Oui! Oui, elle est magnifique, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le point, c'est juste que, ben. T'as une blonde. Non, loin de là, je vois personne. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est juste que, ben, je. Non, je. Je suis pas capable de parler aux filles. Ben, voyons. Je te jure. Juste un petit texto. T'as même pas besoin d'écrire toutes tes lettres. Ok. Je comprends, ça commence de même, pis après ça, il. Pour ça, il faut que tu fasses des phrases complètes. Là, après, faut que tu y parles avec. Faut que tu y parles avec ton. Avec ton cœur. C'est ça qui te fait peur. Parler d'amour, parler de tes sentiments. Mais non, voyons, n'importe quoi. Puis. Il reste intelligent, hein? Ouais. Ah, bah, ça, je peux pas dire n'importe quoi. Je pense que si j'avais été plus bon, j'aurais été capable d'y en parler, moi. Hein? Ensemble. Hein? Oh non. Ouais. Veux-tu que je t'aide? Tu commences à faire ça? On va écrire à ta place. Hein? Oh oui! Je vais prendre mon téléphone, Roxanne n'a pas mon numéro, elle saura pas que c'est moi. Attends. Est-ce que tu dis, c'est que tu vas te faire passer pour moi? Ouais. Puis tu vas cruiser Roxanne à ma place. C'est ça. Pourquoi tu ferais ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Bon. As-tu m'as vu le pif? Ouais, c'est juste des pas manqués avec. On s'entend que j'aurais jamais la chance de dire des mots doux à une fille. Mais si c'est toi, mon visage, et toi, mon cerveau, on fait une belle équipe. Ok. Je vais te passer mon ciel, mais je veux que tu m'envoies toutes vos conversations, ok? Ouais. Rentre ton numéro là-dedans. Ta
Tiens-moi au courant, là. Oh, ouais. Bon, on s'en va, là! Léon, qu'est-ce que tu fais? Ah! Bon, on s'en va! Il est dans la section érotique! Hey, wow! Léon, sors de là! Fais-moi pas honte, sors! Quoi? Qu'est-ce que ça change, yo? Si je veux me déranger ce que je faisais avant! Ouais, mais là, j'ai une réputation à garder! Tu veux pas ton précieux, là? Si je veux permettre d'avoir Alexandre, il faut que je sois au top. Alexandre, t'as des nouvelles? Oui, laisse faire ça, viens dedans, on s'en va, là. Comment ça? Bien! On garde ça en deux, hein? Ben, regarde. Qu'est-ce qu'on garde en deux? Hey, oh! Ouais, tu veux que je te suis? Raconte! Je veux savoir, c'est tout! Vas-y, dans le vrai! Toi, t'as l'air trop content! Tu trouves? Es-tu tombé sur le charme du beau Christian, toi aussi? Ouais, peut-être bien. Le voilà. L'homme de l'art. Pardon? Tu as vraiment impressionné la galerie hein, avec tes insultes. Tu as un beau talent, toi, de jouer avec les mots. Fais-tu seulement deux mots? Je fais aussi du drame, de la prose, de la poésie. Je le savais. Un sabot comme ça, ça va pas les rues, hein? Qu'est-ce que tu veux de dire? Je peux t'es certainement pas blessé pour me faire des compliments. Perspicace aussi, hein? Intéressant. Mademoiselle, pouvez-vous nous laisser quelques instants? Quoi? Tu prends pour qui? Vous allez. Non, mais là, sérieusement! Je vous promets qu'il n'arrive rien à votre. Ami. Ah, oh, j'ai pas peur pour lui, il est capable de se défendre tout seul. Alors? C'est bien plate quand il y a des gouttes de sang qui éclaboussent les livres. On peut plus les retourner, ils sont bons pour la poubelle. Très bon. Mais si c'est ça qui t'empêche de quitter, alors je te promets d'acheter tous les livres que j'aurai tachés de mon sang. Je veux ça par écrit. Ok, Rosalie, ça, on va faire un pouvoir. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Deguiche? C'est Cyril Berger. Ouais. Je veux te faire une proposition. Hein? Je veux t'engager. M'engager? Oui, je veux ton cerveau me sert. D'abord pour mes travaux d'université, mais aussi plus tard, pour travailler dans l'ombre, quand je vais prendre les reins, accompagner mon père. Je veux que je te fasse paraître plus intelligent, dans le fond. J'avais pas vu ça sous cet angle, mais. Oui, non, en quelque sorte. Non. Comment non? Juste non. Mais réalise la chance que tu manques. J'ai moins de te donner un salaire à faire rêver. Je ne veux pas de ton salaire de guiche. Je pense que c'est pas ma dire quoi dire et à quoi faire. J'ai d'autres aspirations. Quel genre d'aspiration veux-tu bien avoir avec ce nez-là, hein? Tu ne pourras jamais travailler en politique ou dans le cinéma. C'est la beauté qui mène le monde, Berger. Oh, la beauté. Oui, ta beauté, sans elle, personne te prendra au sérieux, personne n'écoutera tes idées, personne n'investira en toi. Moi, je t'offre un avenir plus brillant, tu pourrais te façonner toi-même. Oh, mais... Ça a l'air d'avoir un bon contrôle des mots, pourquoi tu t'en occupes pas toi-même? Je connais les mots. Puis dans ton entourage, tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire ça, non? Comment tu fais? Tu sais, j'ai réchiffré ça, papa. Comme... Ah, comme toi? Oui, mais moi je le sais. Je ne veux pas croire que je suis supérieur parce que je suis riche, que c'est juste que l'argent parle. Tu penses que je vais l'écouter? Tu manques vraiment ta chance, Berger. J'ai besoin de quelqu'un comme toi qui va venir tête, qui va m'argumenter quand je fais ma guise. Et tu n'as pas quelqu'un qui pourrait faire le travail pour toi? Non. Les gens qui m'entourent sont impressionnés par mon argent. Aucun d'entre eux n'oserait me contredire. Pas à ton bain. Il n'y a aucune chance. Change vraiment pas de style. Je te promets que ça sera très, très profitable. Faut que je te le redise, tu perds ton temps. T'arrives, mon chou? T'as dit que ça serait pas long? Oui, oui. J'ai fini ce que j'avais à faire là. Il est ici. Tu venais parler avec lui? Est-ce que t'as quelque chose à dire, papa? Oui, papa. As-tu quelque chose à dire? Non, je...
Il va acheter un biscuit. Ouais, c'est ça. T'es pitoy. Allons tout de suite ailleurs, on va pas étaler notre linge là en public. Ouais, on va aller ailleurs, ouais. Bye. Là, tu serais toujours sur la table pour manger. J'aurais plus de chances de te croire si tu me disais que tu peux acheter la librairie. Bon, j'aurais essayé. Je veux juste savoir s'il veut nous parler de. De Roxane. Jalouse? Elle m'énerve! Puis ça m'énerve qu'il décroche pas! Il doit l'aimer. L'aimer? Fais-moi pas rire! Il peut juste la posséder comme il possède tout le reste. Pourquoi tu t'accroches à lui d'abord? C'est mon ticket pour sortir d'ici! Toi, tu vas convaincre de Guiche que t'es l'amour de sa vie. Ça sent rien, là! Suffit d'être patiente et lui faire réaliser que je suis indispensable. Évidemment!
Est-ce qu'on est tout seul? Tiens, est-ce qu'on est tout seul? Hein? Est-ce qu'on est tout seul? Quoi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, les ragdos sont partis, puis Rosalie est en congé aujourd'hui. J'en viens pas, hein? ça marche au bout, ton affaire. C'est trop. T'as réussi à faire tomber en amour avec moi solide! Pas parce que t'as écrit un petit cœur que. Non, c'est pas ça, c'est tout le reste! Hey, je sais pas comment t'as fait, mais c'est malade! Merci. Mais là, c'est assez. Je pense que je vais être capable de prendre le reste seul. Hein? Oh oui, j'ai vu comment t'as fait, pis c'est facile! Quoi? Mais oui, t'écris quelques beaux mots par ici, quelques beaux mots par là. Tu parles des fleurs, pis basilic, tu sens que. Non, je pense que je vais être capable de prendre le reste seul. J'ai écrit une lettre. Quoi? Une lettre! En papier, là! Comment ça, une lettre? Ouais, mais c'est peut-être pas juste écrire des textos. Mais là, y'en as-tu d'autres là-bas, là? D'autres. Combien, lui? Oh, je me sens pas bien. Combien, il y a de lettres? 15-20. 20! J'ai 20 lettres! Oh, fait chaud ici, là. Mais ben, je trouvais que ça faisait plus romantique. Il n'y a plus personne qui envoie des lettres en papier, de nos jours. Ben oui, mais il y a une raison pour ça. Ben, qu'est-ce que j'ai dit dans les lettres? La même chose. Juste pas mal plus longtemps. Mais là, avant ça tombe parce que je parle comme dans les lettres. Mais, va t'aider, moi. Puis, ben, tu vois pourquoi tu peux pas prendre les dessus tout de suite. Ouais, okay. Là, je comprends. Ouais. Mais plus d'autres lettres de même, compris? C'est compris. Peux-tu juste m'aller celle-là? OK! Après ça, c'est fini! Fini! Fifi! Elle F I N I F I F I F L F F! C'est terminé! Cyril! Je dois te parler! Sourire, Roxane! Mon cœur s'en peut plus! Il faut que je le voie en personne! Tu l'as pas encore vu en personne? C'est louche. Il repousse toujours notre rencontre. Encore plus louche. Est-ce qu'il t'a demandé de l'argent pour me sortir de la prison? Arrête de me niaiser. Je n'y vais pas. Non, il m'a pas demandé de l'argent. Au moins. Oh, il faut que je le voie en personne. Ça presse-tu tant que ça, madame? Tu sais pas tout ce qu'il m'a écrit. Des pages et des pages de déclarations. Ah, si tu savais. Il a pas l'air si intéressant que ça, au fond. Tu vois, quand tu le connais mal, il est merveilleux, puis si romantique. Oh, mon cœur fond, rien de penser à tous les mots d'amour qu'il m'a écrit. Et est-ce qu'il parle seulement d'amour? Non. Il a des connaissances variées, il recherche, il découvre, il s'instruit. Il a l'air presque trop beau pour être vrai. N'est-ce pas que je suis chanceuse? Ben, il doit bien avoir un défaut. OK. Ben voyons. Je te jure. Ah, et voilà. Je crois qu'il est aussi merveilleux que je te le dis. Bonjour, Christian. Chut! Hey! Roxane! Tu as reçu mes messages? Oui, les lettres aussi. Je les ai toutes lues. Puis, t'es contente? On peut dire ça. Oh, ça paraît pas. Christian, c'est des belles lettres, des lettres fantastiques. Ah ben, je peux t'en écrire d'autres si tu veux, les. Full bon avec ça, moi, papier, crayon. Effectivement. C'est ça, là. Ah. Arrête, je sais que t'as le texte, moi. Je l'ai pas caché. Mais qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser? Quoi? Ben oui, ça fait des semaines qu'on se parle, qu'on se texte. J'ai le temps de. J'ai le temps qu'on pense aux actes. Oh. Ça? Oui, tu sais. Ah,
T'es tellement, tellement... T'es tellement... 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 Chicks! Hé là! C'est quoi, tu veux que je te dise que je t'aime? Si tu veux. Ben... Je t'aime! C'est tout? Ben, je pensais que c'était ça que tu voulais que je te dise. Dis autre chose. Ok, ben... Je t'aime pas, mort. Tant mieux! Pourquoi? Pourquoi quoi? Ben... Pourquoi tu m'aimes pas? Non, non, mais c'est pas vrai, je veux dire, je t'aime. Oh, hé là! C'est non moins compliqué, hein? On peut pas juste... Je sais pas, moi, de faire un tour de tour. C'est tout? Ben non, non! Mal me connaître, ben non, 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 on pourrait... Je sais pas, on pourrait... aller... quelque part, là. Ah! Non, non! Quoi? Mais, je te demande de me parler avec ton cœur, pis... Tu mens, avec... Avec... Ah! Attends! Attends! Je te niaise pas, c'était mémorable, j'aurais dû te filmer. Moi, je l'ai perdu, là. Tu vas plus rien savoir de moi. Avant, revenez. Non, je suis vraiment. Je suis vraiment le plus innocent des innocents. Des innocents, des innocents. T'as bien raison là-dessus. Un comique. T'inquiète pas, là. Tu vas trouver un moyen de t'arracher, je suis sûr. Eh non, je sais pas comment faire. C'est pas facile pour moi, ça vient pas naturellement. J'ai voulu la prendre dans mes bras, c'est pas de parler des soleils, des étoiles. Je vais t'aider, ça va me faire plaisir. Hein? Comment tu penses faire ça, toi? Tu vas certainement pas cacher dans mes cheveux et me donner toutes les réponses à l'oreille? Hein? Pas bête. J'aime l'idée. Ben oui. Monsieur Raymond? Monsieur Raymond? Je suis parti avec un livre sans le payer. Ah. Il est pas là? Non, mais il était parti au dépanneur. Ah, il y a une ouverture? Quelqu'un avait volé la caisse? Oh non, non, pas de besoin. Achetez là. Oh, mais... Ah, je vais acheter ça. Et voilà, bonne journée. Merci. Je m'excuse, Roxane. Pourquoi? Ben, pour t'avoir... Ça va, Christian, c'est juste que t'es pas comme ça. Ben, attends, pourquoi tu dis ça? Je pensais, en lisant tes lettres, que t'étais différent des autres hommes, mais bon, je me suis trompée. Attends, tu peux m'expliquer. Tu peux pas m'enfermer ici! Non, non, attends! Je veux juste te parler! Parce que moi, je... Maxime, Hey, psst! Hey, dis-lui ce que je vais te dire! OK! J'ai raison, Roxane, t'es comme les autres! Non, non! T'as raison, Roxane, je suis comme les autres. Ah oui? Oui, je suis en chair. Et... En os, Roxane. Oui. Bon. Mais mon cœur... Ton cœur? Charlie, il tourne la page. C'est ça. Mon cœur, il est différent, Roxane. Comment? Comment, mon cœur? Ok. Mon cœur, il braille. Oh. Non, what?
cœur est chante, Roxane, mon cœur chante. N'importe quoi. Au revoir, Christian. Arrête! Quoi? Encore? Arrête. Chaque module que tu lances dans ma direction me va droit au cœur. Ah ouais, dans ton cœur qui braille. Oui! Arrête de me dire des niaiseries, Christian, ça sert plus à rien. Aïe, aïe! Sois! Encore! Un autre coup dans ma blessure. T'es blessé? Oui. De la flèche de Cupidon. Il me l'a rentré en plein centre, puis à chaque fois que je te vois, la blessure saigne. Ben arrête de me poursuivre. Et je le ferai bien, mais vois-tu, tout ce sang qui coule est remplacé par du nouveau sang. Chaque larme que je verse me transforme et je deviens l'homme que t'espérais rencontrer. Un homme nouveau? Un homme honorable. Un homme qui comprend que l'amour se consomme pas tout d'un coup. Mais se savoure lentement. En prenant son temps. Où chaque seconde fait patienter la prochaine. Où chaque minute paraît une éternité. Mais où la nuit passe comme un souper. Sais-tu comment tes textos faisaient trembler mon cœur, jour après jour, heure après heure? Je ressentais la même chose. Tu m'écris des belles phrases, 5 fois par jour. 5 fois par jour? Je te réécris tout le temps. Je voulais pas t'inonder mon amour, je voulais que tu écoutes un verre à la fois. Mais je vais repenser dans le grand fleuve qui coule dans mon cœur afin que tu sois aussi libre que moi à chaque gorgée. Pourquoi tu me parlais pas comme ça tout à l'heure? Parce que quand je te vois, mes mots se perdent. Puis ben, je deviens un homme ordinaire. Mais maintenant, tu me parles? Tu me dis des choses? Enivrante? Maintenant, je suis caché par les livres. Je m'inspire de leurs mots, de leurs messages. Je suis rempli de mille et une histoires d'amour qui ont trouvé leur place sur les tablettes dans les rêves les plus fous. Alors, ces mots ne sont pas de toi? Ils sont de moi, de Roméo, de Tristan, de Rimbaud, de Milligan, mais tu les refuses. Mais comment je pourrais te prouver que je ne refuse pas? Je pourrais... M'embrasser! Ah! Harry V! Prête! Ah, ça va te manger! Qu'est-ce que tu dis? Je me disais que j'allais tout gâcher. T'as rien gâché. C'est bien l'autre, ton enfant, t'en viens-tu? Oui, oui. Encore quelques minutes, j'ai pas trouvé le livre que je voulais. Dépêche-toi, là. On parlait de s'embrasser. Je sais pourquoi le mot a de la difficulté à passer tes lèvres. Il préférait rester et goûter leur douceur. Leur chaleur. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Tu réfléchis beaucoup toi-même. Il est sage de considérer les enjeux dans certaines situations, mais des fois, tu dois te lancer dans le vide puis sentir le vent sur ton visage. Puis tu penses que ce moment est venu pour nous? Mais, Roxane, je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Je connais chaque courbe de ton visage. Je connais tous tes sourires. Je rêve de goûter tes lèvres depuis que j'ai vu le soleil les embrasser pour la première fois. J'ai envie de savoir qui peut les faire briller. C'est lui. Un sans sou.
qui va te faire travailler à sa place. Il a plus de carré d'esprit que tu peux l'imaginer. Ouais, mais moi je vois son avenir et son portefeuille, puis je peux te dire que les deux sont vides. Foutaise, il a un super ami devant lui. Quand j'ai vu ton ami, C'est Sandrine! Oui, oui, Sandrine, devant la porte, je savais que j'allais te trouver ici. Je voulais te convaincre de changer d'idée. Que j'allais te traiter comme une reine. Quoi? Puis je te trouve dans les bras d'un tout nu, d'un moins que rien. T'es venu ici pour elle? Oui, pour elle. Pour la femme la plus belle, la plus intelligente que je connaisse. Tu te moques de moi? Pensais-tu vraiment que j'allais passer le reste de ma vie avec toi? Ben, plus maintenant, je m'en vais. Je pense que je vais l'assurer. Elle est bien capable de... Je sais. C'est toi, de guiche, qui sème la pardon partout où tu vas. Jamais Christian n'aurait traité ses amis comme tu traites le tien. Ah, Christian, il n'a qu'un beau visage. Tu aurais jamais adressé la parole s'il n'avait pas été aussi beau. Quoi? Ne joue pas les ingénieurs avec moi, Roxane. Tu sais très bien que tu n'avais pas été aussi beau. Tu n'aurais jamais su qu'il avait l'esprit. Tu n'aurais même pas porté ton regard sur lui. Mais bon, je t'abandonne avec ton idéal masculin. Tu vois ce qu'il y a à dire? Désolée, mon amour, au début, j'ai été attirée par ta beauté. Ensuite, tes lettres m'ont montré que tu étais beau et intelligent. Maintenant, c'est juste ton esprit que j'aime. Je ne vois plus ton visage. Non. Non, moi, j'aimais mieux avant. Voyons, c'est ridicule ce que tu dis. Oui, c'est ridicule. Ce que moi, je dis, c'est ridicule. Parce que toi, tu m'aimerais même laid. Ben oui. Cyril! Ouais? Roxane a quelque chose à dire. Moi, je vais aller à mon travail. On s'en parlera après. Viens? Oui, à bientôt. Non. Je vais parler. J'entendais dans la lampe, je ne sais pas plus non plus. Mais c'est la vérité! Je l'aimerais laid. Mais le mot gêne devant moi. Vas-y, ça me laisse à toi. Je l'aimerais laid. Défiguré? Défiguré. Grotesque? Ben voyons, il n'y a rien qui peut le rendre grotesque. Alexandre, j'ai un affaire à faire. Oui?
Capitaine, on oublie quelque chose. Avez-vous votre passeport, votre portefeuille? Oui. Alors, le reste est quoi important? Vu de même. Nous avons voyagé sur les ailes de l'amour. Mon poète, toi. C'est quand même grâce au recueil déposé de M. Ragnaud si vous avez les moyens de faire le tour du monde à votre retraite. Ouais, mais c'est aussi grâce à Thomas. Tu t'es bien occupé de la librairie pendant que moi, je passais des heures à parcourir des feuilles avec mon imagination. J'avais confiance en toi. C'est grâce à vous deux. Et maintenant que j'ai acheté la librairie, vous êtes prêts à voir le monde entier. Est-ce que t'es prête pour la visite du premier ministre? Fais prête. Je peux pas croire qu'il va s'arrêter ici, dans la librairie Bergerac. Tu vas enfin voir le premier ministre en personne, Alice. Oui, pis dans notre librairie. Dans ma librairie. Ouais, excuse-moi, c'est la vie. C'est bien normal, la librairie, c'est toute ta vie. On va venir te voir, notre ado. Qui sait, tu vas peut-être avoir tout changé pour suivre des nouvelles de tendance. Ouais, non, je croirais pas. J'aime ça quand il reste des livres dans une librairie. Allons, manquez pas l'avion. Oh, t'inquiète, on part dès que le premier ministre a fini. Il est mieux de pas s'éterniser. Maintenant, la période des questions.
Tu dis qu'on va investir ensemble. Tu penses pas que les Québécois ont assez investi? Je connais cette voix. Cyril Berger. Monte-toi le nez si tu oses. J'ai jamais eu peur de te montrer le nez. Si j'avais été toi, je l'aurais caché. Je l'aurais fait disparaître. On m'a montré qu'ils sont mes vrais amis. Je la remplacerai pas pour rien au monde. Cyril. Alors, ça marche. Je suis vraiment désolé de t'entendre. Ça va rien. Assieds-toi, puis laisse le premier ministre parler. Monsieur Bray, c'est une cause perdue. Allez-y, monsieur le premier ministre. On vous écoute. Oh, enfin! Oh, moi, j'aimerais bien qu'il y réponde à la question, elle était bonne. Il répondra plus à aucune question, président du premier ministre! Thank you.